Good morning, Ali Eden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Nissim Ben Aouda, Sarah, Bat, Chana, Rachel, 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 Bat, Sarah, ainsi que Rifuat Arya, Kiva Ben Shachar, Shlomo Ben Esther, Rafael Zvulun Ben Chalamalia, et Lizhout Daniel Ben Esther. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contractée à 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Avot, Perek He, Mishnah Yudchet, Kol Hamezake et Harabim, El Chet Ba Aliado, Vechol Amachati et Harabim, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיקה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל. ירבעם חטא והחטא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירבעם, אשר חטא ואשר החטא את ישראל. למשנה נו אנסני, כל המזכה את הרבים. Tout celui, toute personne qui va s'investir pour donner du mérite au public, il va faire ce qu'on appelle du zikui rabim, faire mériter le public en les aidant, en leur enseignant la Torah, en leur enseignant de la Yirat Shamayim, chacun selon son niveau, s'il enseigne, ou si même il organise des cours, il veille à ce que, à créer une ambiance de renforcement dans la Torah, dans la Yirat Shamayim, dans le peuple, et d'aider chacun à évoluer. Alors c'est ce qu'on appelle qu'il fait du zikui rabim. Eh bien, qu'il sache. La Mishnah va nous enseigner deux choses. Première partie de la Mishnah va nous dire qu'il est protégé de la faute. Et deuxième partie de la Mishnah va nous parler de son mérite qu'il a. Alors, première partie de la Mishnah nous dit « En chet ba aliado ». Il aura comme mérite d'être protégé de toute faute. A l'inverse, « Vechol amachati et arabim » tout celui qui va au contraire faire fauter le peuple, le public, le rabim. Le rabim, ça implique même deux personnes. Déjà, il va les influencer, ou bien peut-être peut-être qu'il faudrait peut-être 10 personnes, je ne sais pas, ça n'a pas été précisé tellement. Ils ont juste précisé que il ne s'agissait pas d'une personne unique, quoi. Donc il fallait plusieurs, ils n'ont pas précisé combien, je ne sais pas si c'est 10 forcément ou pas. En tout cas, avec Olamarti et Arabim, tout celui qui fait fauter le public, alors, En Maspikin Beyado La Asot Teshuva. On ne le laissera pas faire Teshuva. Donc, on regarde déjà une chose et son contraire. Si je fais du mérite, je fais mériter le peuple d'Israël, Hachem me protège de la faute. Si je fais fauter, Chassou Shalom, si quelqu'un fait fauter le peuple d'Israël, un groupe du peuple, alors, au contraire, on ne le laissera pas faire tchouva, on le laissera s'enfoncer encore plus avec sa faute. Le principe qui génère les deux directives est le même. Le Bartanura nous dit, c'est une gemara dans Yoma, que de Sheloyehu Beginam Vetalmidav Begeneden. Et le contraire, Sheloyehu Beganeden Vetalmidav Begeinam. Le principe est le même. Si toutefois, Réhouven, moi, je vais aider le peuple à se renforcer, je vais aider les gens à se renforcer dans la Torah, dans le Yirat Shamayim, ensuite, eux, ils vont devenir méritants, quand ils vont arriver au ciel, ils vont être au Gan Eden, Chas V'Shalom, quoi, c'est pas digne. Moi qui les ai aidés, je vais avoir un niveau inférieur à eux, je vais me retrouver moi au Gehinam, pour ne pas arriver à une situation pareille, Hachem va faire que, c'est pas digne que les élèves soient eux au Gan Eden, et le Rav, ils soient au Gehinam. Alors Hachem, il va protéger le Rav pour qu'il soit, lui aussi, au Gan Eden avec eux. Et inversement, si toutefois il a fait fauter d'autres personnes, alors c'est pas digne que lui, il va faire tchouba, ensuite on va le laisser faire tchouba, il va faire tchouba, il va réparer ses fautes, lui, il va aller au Gan Eden, et il va avoir maintenant tout le peuple qui va être en train de griller au Gehinam à cause de lui. Non, c'est pas digne, bon, ça non plus. Si tout le peuple il est parti à cause de lui au Gehinam, et bien qu'il aille lui aussi au Gehinam, on va pas le laisser faire tchouba. Donc c'est généré par la même notion, c'est déduit tout ça de Psukim dans Yoma. Kilota azov nafshi lishol, on va parler du premier pasuk. Kilota azov nafshi lishol, lotiten chasidecha, velotiten chasidecha lirot shachat. Kilota azov nafshi lishol, car toi Hachem, David Amelech parle de lui et dit à Hachem, toi Hachem, tu ne laisseras pas mon âme tomber dans le sheol. Le sheol, c'est le Geinam. Lota azov nafshi lishol, tu ne laisseras pas mon âme descendre au Geinam. Pourquoi ? Parce que velotiten chasidecha lirot shachat, afin que tes bien-aimés, tes chasidecha, ne voient pas shachat, ne voient pas le geinam. Ça implique en fait que on parle pas qu'ils y aillent, on parle en fait, le pasuk précise. David Ameler, c'est le rav, les chasidim d'Hachem, c'est ses élèves, et en fait, il dit comme ça à David Ameler, il dit, je sais pertinemment que moi je ne vais plus pas aller au geinam, que tu vas, toi, Hachem, me protéger de ne pas y aller, donc tu vas me protéger de la faute, afin que tes bien-aimés, mes disciples, qui se sont renforcés grâce à moi, qui, eux, iront au Gan Eden, n'aient pas le souci de voir le Rav qui est en train de griller
au Geinam. Non, pour ne pas arriver à une situation pareille, c'est pas digne. Alors tu vas faire que toi, toi Hachem, tu vas faire que tu vas me protéger, que je ne vais pas tomber moi au Geinam. Et inversement pour Yerovam, on rapporte un autre pasuk. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, vous allez me dire, bon, c'est déjà pas mal. Faire du Zikoui Arabim, ça fait que on ne va pas avoir de faute. Mais malgré tout, peut-être que finalement, si je restais enfermé tout seul au Beit HaMidrash en train d'étudier et d'approfondir davantage la Torah, pour mon gain personnel, je gagnerais plus. Alors sur ça, la Mishnah va venir maintenant nous parler du mérite de celui qui va faire du Zikoui Arabim. D'accord ? En nous disant, Moshe Zacha Vezika et Arabim, Moshe Rabbeinu a eu du mérite pour lui et a donné du mérite à tout le peuple d'Israël, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah. Et bien qu'il sache que Zchot Arabim Taluibo, tout le mérite du peuple que chaque personne a fait, il est entièrement pour lui. C'est-à-dire, chacun en a pour son compte personnel, mais à part ça, vous savez, chez Hachem, il n'y a pas de problème de décupler les choses. Donc, il va faire que, toi, tu as fait une grande mitzvah, kol hakavod, toi, tout ton salaire. Mais moi, je t'ai aidé, j'ai provoqué que ce soit toi qui vas faire la mitzvah, toi aussi, ton salaire, je vais avoir le même aussi pour moi, pour mon compte. Ça veut dire que quand, par exemple, grâce à moi, 1000 personnes vont mettre les tefillines, et bien dans une journée, j'aurai mis 1000 fois les tefillines en même temps. Vous vous rendez compte comment c'est grand? Alors c'est ce qu'il est en train de dire, que Zchot Arabim, le mérite de chacun, il est entièrement Taloibo, il se rapporte, il se réfère entièrement à celui qui l'a provoqué. Comme le pasuk nous dit, Shene Emar, Tidkat Hashem Asa, Umishpatav Im Israël. C'est un pasuk qui parle de David HaMelech à la fin de la Torah, de Moshe Rabbeinu à la fin de la Torah, que Tidkat Hashem Asa, il a fait toute la Tzidkat Hashem, il a fait toute la justice Hashem qu'il lui a demandé de faire, ou Mishpatav im Israël. Et tous les jugements justes, donc il a fait le Tzedek, la justice entre l'homme Israël. S'il y a eu de la justice entre l'homme Israël, c'est l'homme Israël qui a fait des mitzvot. Et on est en train de vanter le mérite de Moshe Rabbeinu. Réponse oui. Parce que tout ça, c'est le mérite de Moshe Rabbeinu. Quand lui, il a fait des mitzvot, il a eu son mérite pour son compte personnel. Et quand il a aidé tout le peuple d'Israël à faire ses mitzvot, alors toutes les mitzvot du homme Israël, c'est pour son compte. A l'inverse, Yarovam Chata Vecheti Atarabim, Yarovam Ben Nevat, un des plus grands, Jéroboam, comme on dit en bon français catho. Alors, Yarovam Chata Vecheti Atarabim, et lui, il a fait fauter tout le peuple d'Israël. Et bien qu'il sache que Chet Arabim Taluibo, toute la vérote du âme Israël, elles sont entièrement pour son compte. Chacun il aura son compte personnel, bien sûr, selon le même principe. Mais malgré tout, lui, on facturera doublement le compte personnel de chacun, et on présentera aussi une deuxième facture à régler à Yarovam Ben Nevat. Il a fait fauter tout le monde dans la Avodah Zara. Chez Neymar, comme nous dit le Pasuk, regardez comment le Pasuk s'exprime de nouveau. Al-Khatot Yarovam, Asher Khata, Asher Echeti et Israël. Sur les fautes de Yarovam, toute la vérote qu'il a fait Yarovam, qui sont à la fois que Asher Khata, que lui-même a fauté, et qu'il a fait fauter tout le peuple Israël. C'est compté, donc c'est sa Avodah Zara personnelle, et la Avodah de chacun du peuple Israël, elle est comptée pour lui. Moralité, eh ben, faites du mérite à tout le monde. Un petit coup de pub pour les 5 minutes éternelles. Profitez. Commandez des 5 minutes, distribuez-le autour de vous. Je vous promets que si, grâce à vous, il y a une personne qui se met à étudier la Torah de manière fixe, ça mérite, on s'en fout, 5 minutes ou pas 5 minutes. Bon, Hachem, il y a plein de sites de Torah, c'est pas le problème. Mais en tout cas, si grâce à vous, il y a quelqu'un qui se pose, qui va découvrir la Torah, premièrement, qui va fixer l'étude grâce à vous, c'est un mérite géant pour vous. Ça fait double, vous ouvrez un compte. Si en plus de ça, d'accord, donc allez-y, quoi. Kol Tov Selah.